وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Aujourd'hui, tu vois, les musulmans, ils se comparent aux mécréants. Ah ben, je suis bien, moi, je suis musulman, lui, c'est un mécréant. Alhamdulillah, moi, je fais salat. Wallah, des fois, il y a des gens, ils se prennent pour des pieux. Moi, je suis pieux. Il y en a, ils me disent, moi, je suis pieux. Comment ça, t'es pieux? Il croit pour lui, et mashallah, il a fait ses 5 prières. Il a jeûné le mois du ramadan. Voilà, il a été gentil un peu avec ses voisins et ses parents. Ça y est, je suis pieux. Premièrement, es-tu sûr qu'Allah a accepté tes actes? Deuxièmement, ces actes, tu les as fait parfaitement? J'aimerais bien voir à quoi elle ressemble ta salate. Est-ce que c'est une salate du coq? Ou est-ce que c'est la salate du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ou juste t'as fait des gestes comme ça, t'avais la tête ailleurs, t'étais pas concentré, t'es même pas capable de se connaître les piliers de la prière, comment rattraper si tu fais une erreur, tu ne prends même pas un moment de pause dans chaque membre, chaque instant de ta prière. Ça, c'est pas une salate. Il y a quelqu'un qui est venu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré, il a prié, il est venu dire passer le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit va prier car tu n'as pas prié. Il dit si j'ai prié. Il dit non, tu n'as pas prié. Il a été reprié. Il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit va prier, tu n'as pas prié. J'ai prié. Non, tu n'as pas prié. Parce que le prier, faire salat, il y a des piliers. Sans ces piliers-là, sans ces obligations-là, c'est pas une salate. C'est de la gymnastique. Non. Si la personne, elle ne prend pas une pause dans chaque position, c'est pas une salate. Surtout, on voit beaucoup de gens, ils prennent pas de pause entre les deux prosternations. Ils se relèvent de la prosternation et redescendent comme un ressort. Ou après l'inclinaison aussi, après le rukou. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.